Ok. Ah, alors. Ah, je suis chaud là. Là, on est chaud là. Et bonjour à tous, aujourd'hui on part sur Squad et plus particulièrement sur la map en ville. Je joue pas Squad Leader et sur les prochaines vidéos, je serai pas SL, je vais prendre d'autres kits, Grenade Launcher par exemple, Lance-Grenade, Machine Gunner, des choses comme ça. Tout simplement parce que j'ai l'impression d'avoir trop joué Squad Leader depuis trop longtemps en fait. Et je pense avoir pris des mauvaises habitudes, avoir perdu des bons réflexes. Donc j'ai envie de voir d'autres kits, le jeu a changé aussi pas mal. Donc prendre d'autres kits pour voir aussi d'autres SL jouer. Et me remettre un petit peu à niveau, faire un petit peu autre chose, prendre un petit peu de recul par rapport au rôle Squad Leader. Je pense que j'en ai besoin. Et vous, ça vous permettra de voir peut-être un petit peu autre chose si vous hésitez encore à prendre le jeu ou si vous le connaissez pas. Donc voilà, je pense que ça peut être une bonne chose et ouais, sur au moins 4 ou 5 épisodes là, ça va être un peu différent. Je vais jouer aussi un petit peu avec la CAQ sur les prochaines vidéos, donc vous verrez notamment Perkett en Squad Leader et dans toute sa splendeur. Voilà, je rappelle juste qu'on est toujours membre de la coalition et partenaire avec squadhub.fr, donc n'hésitez pas à faire un saut sur ces différents Discord pour aller leur filer un coup de main ou juste participer à ce qu'ils fabriquent. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui, moi je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine, ciao. Bravo, essayez de rester avec moi et Charlie, vous pouvez rester un peu plus en arrière ou prendre plus des flancs, ou voilà. Ok. Bon, ça a pas l'air de déborder. Allez, de la montagne. On va chasser le BTR les gars, au marqueur move. On a pas d'AT lourd, c'est compliqué avec un TG. On peut au moins le détruck après, on a beaucoup de fusils donc bon. Ce serait bien de prendre AT lourd d'ailleurs, si possible. Et d'ailleurs aussi les riflemen automatiques, moi personnellement je trouve ça plutôt inutile mais... Ah ouais, en close call, enfin en close range... Oh putain, vrai, sur la route, détraque-le s'il te plaît. Quand il filme, une roquette ou deux c'est fini. Les gars, tombez dans le ravin. Allez, dans le ravin, allez. Moi je suis safe. Y'en a t'es où les gars? Y'en a t'es lourd derrière, y'en a t'es lourd derrière. Allez Zay, c'est pour toi hein, Zay c'est pour toi. Allez, les trois corps, attends, je recule. Ah, c'est la merde là. Waouh. Bon, moi je vais prendre AT si ça continue comme ça. Ok. Y'a pas d'AT dispo. Bah, enlever un rifleman. C'est le rallye. Non, mais même l'AT lourd, il a looper qui est pas dans nos squads. C'est bien pour ça qu'il l'a loupé. Oh là 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 là. Bon allez, on va essayer de décaler sur le village, on va voir s'il y a quelque chose. Je pense pas qu'il y ait des ennemis déjà. Mais au cas où, je me positionne. Histoire d'avoir un visuel protégé les gars. Il faudrait qu'on ait un médecin aussi après. Minimum. Rôle support, de toute façon, c'est toujours c'est de se poser la question de où est-ce que je serais le plus utile. Ouais, mais c'est bien ce pour mon escouade. Deux médecins, c'est mieux. Et là, parce que là, on a 4 fusils chose. Quoi. Et à 3 ou 4. Bah, ça fait beaucoup. Sachant qu'on a même pas de heavy AT donc. Ça a bougé sur le toit, non? Je ne changerai pas mon magnifique rôle. Personne sur point. Là, on est bien. Hein. Ouais, y'a rien, on va avec juste. Les copains on va se regrouper, on va attendre le prochain point. C'est vraiment un rôle qui est chouette parce que tu peux à la fois avoir du visuel, bah, t'as un bon zoom, un bon scope, et en même temps avec le trépied là je peux allumer grave quoi.
Bon, par contre, t'es vite repéré. Tu te fais vite engager, toi. Tu deviens vite un peu cible prioritaire pour l'infanterie, mais... Si tu les surprends, tu peux vraiment faire coucher toute une escouade, quoi, selon comment ils sont paqués. Mais là, par exemple... voilà, en rôle support, au cas où, je dis si vous êtes nouveau, hein, mais là c'est pas mal où je suis, le sniper va peut-être me rejoindre. Les gars, on va bouger sur le marqueur mouvement, go. Moi j'ai bien juste me dit que tu me soignes deux secondes, là, parce que je vois la vie en rouge. Non, tu vas voir en rose plutôt. Ouais, bon, ouais. Là apparemment. Et ouais. Mais voilà, ça aurait pu être un bon spot. Comment t'es monté là-haut? Attends, je vais dire ça. Ah, j'ai trouvé. Ouais, par là, ouais. Yes, alors, on est pas mal là. Un BTR en 228 là. Ok. C'est un peu long. Là. 228, il faut juste son châssis qui dépasse. Ah, ouais. On a une squad qui a coincé. Ouais, il est marqué. Ouais, c'est moi qui l'ai marqué, c'est pas ça. Pour l'instant, je vois rien du tout, c'est bizarre d'ailleurs. SL, si tu peux communiquer aux autres leaders, le BTR spoté sur map la sud-ouest, ouais. Il est fixe, okay. Et il canard. Ok. Ah, on peut essayer je de descendre. On va essayer d'avancer discrètement, ouais. Et en descend, on se faufile dans la végétation, là, on va essayer de rapprocher. Je vais essayer de faire ça. Ah, il y a un tigre en approche là depuis la route. Open top. Je l'ai ou je l'ai plus? Ah, il a smoky, il a reculé. Les gars, il se passe quoi sur Kalat là? Ah, j'ai plus. Il y a le Rambi qui a foncé dans le nôtre. Oh là 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 là. Moi, c'est bon, là, merci. Là, il a pris une roquette en plus. 1-4. Bon, les gars, par contre, je vous ai demandé de venir sur la vendeur. Vous êtes encore 5 sur Kalat là. Ouais, ça doit être ça. Oh, Helico qui pose sur la vendeur. Ouais. Non, il pose pas, il fait du spotage. Ouais, j'ai pas envie de bien chargeur, c'est pas grave. C'est du spot. Bon, là il va falloir les zones de cap. Vas-y, rentre dedans. Ouais, ça cap. Alors, est-ce qu'on peut trouver un point en hauteur? Peut-être là-haut, là. Ok, ça cap le prochain point. On va essayer de focus déjà pour essayer de garder notre radio à côté du pont, et si on arrive à faire ça, ce serait déjà pas mal en vrai. Ok, on suit, ouais. Montez pas trop sur la colline, passez par en bas là. Ça fait du monde, hein, une escouade. Ah ouais, c'est cool d'être un peu observateur aussi, regarde-moi ça comme c'est beau. Oh putain, y'a un petit chemin VIP et tout. Ah, c'est stylé. Ah, il est stylé le chemin. Ah ouais. Ouais, là c'est la classe. Je vais faire une randonnée. On est deux. Non, on est une seule escouade, hein. Ça fait 8 du monde. Ok, hein. Apparemment, on arrive à garder la radio. On va aller sur Move 2 et on va contourner par l'est, le point. Allez, on va monter. Je vois la situation. Chez moi, les frères. J'ai un mec à la bateau sur Charlie. Prioto, monte vers le nord. Tu veux pas que je traite la batteuse qui est en train de faire chier tout le monde? J'ai pas encore croisé un CIB de la game. Évitez de trop engager là pour l'instant. Putain, attendez, ils sont encore beaucoup sur la radio en fait. Je crois qu'on voit la perte maintenant. Ok, c'est en train de décreuser, je crois. Y'a du pack sur moi là? Ouais, du pack, ouais. J'ai noté sur carte. Ah putain! Ah, je suis à terre! Y'a un mec sur la colline, noté au nord, ouais, pour moi. Voir, ouais, je l'attends. Regardez votre carte. 277 sur la route, y'a un Pax. Il me faut quelqu'un, les gars, avec moi, hein, sur la radio. Il faudra la recreuser là. Ceux qui doivent respawn, attendez un peu. On va respawn sur la ABF6 qui va être construite d'ici 30 secondes. Si vous y arrivez, franchement, ça peut être pas mal parce que moi, je pense que vous pouvez cap, ils sont plus sur le point là. Allez-y en soum soum, vous restez sur le point et vous faites des kills. T'aurais pas un accent genevois, pourriture? C'est pas genevois, non. Vaudois? C'est même vexant.
Ah, tu l'as vexé, putain de merde. Allez, tu me construis ça là. Ce serait pas un peu un goulet d'étranglement ça? Ah, ça va être chaud. Tu m'as morté aussi, je le prends avec plaisir. Qui sont tous morts. Hein. Traité. Vas-y, avance, avance. Ah, je vais me patcher à gauche. Vas-y, je vais tout droit. Je vais cover pour moi là. Axe nord. Reste-le. Ouais, t'inquiète. Je te couvre. Ça va arriver. Les gars, ça va arriver. Ouais. Ah, c'est chiant. Ah, le commandant, tu peux pas mettre une frappe? Et merci. Attends, mauvais channel. Attention, on va être spot direct. Ouais. Si quelqu'un a une frag, la balancer nord-ouest. Nord-est ou nord-ouest? Nord-ouest. Ok. Nice. On y va doucement. Ouais, deux traités, c'était en 330. Les gars, vous arrivez à avancer sur Canyon? On avance. Pas attention, attention. C'est chaud, on est prêt à partir pour l'instant. Si en face, les gars. Contact. Non, attends. Ah putain. À droite, il a close à droite. Ouais, là, ça va vraiment être du petit à petit, mais. Attends, je te soigne. C'est juste prendre le visuel, sortir de ce truc, là, c'était pas simple. Merde sur le point, je vais respawn. Je vais venir vous chercher. Je respawn pas, j'ai encore un. Je suis debout. Ouais. Ah là, ils ont les hauteurs. En fait, là, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir les hauteurs. Il faudrait que. C'est mort, je suis raide. Si avec un hélico on arrive à se redéployer là, on pourrait faire un truc. Soit nous reculer direct. Mais il faut qu'on tienne ici en même temps, il faudrait que. Eux là, ils fassent. Recule. Bien joué. T'as un azimut? Ah putain, je vois rien. C'est bon, merci. Ok, bon, je réduis un peu l'angle. C'est plus simple à contrôler. Génial, médic. C'est quoi qui t'a traité après l'autre? Terre sud-ouest. Les gars. Là, c'est vraiment. En fait, j'ai bien envie d'aller me foutre dans un buisson là. Être un peu planqué. Mais je crois qu'on a pris le. Attention, depuis la hab, Lavender, ça tire du nord, nord-est. On a pris le dessus là sur cette position. J'ai mes traités sur la hab. Je crois que c'est clear au nord, hein, dans le canyon. Hein. Ils ont full give up. Ouais. C'est pas si clear, ouais. Un peu plus loin, ok. On va faire de l'appui. Ah mais là nous on va prendre la situation là. Il est traité, un traité. Ouais. On peut lui prendre de médic hein. Non il est. Ouais, si on est un peu plus à prendre les hauteurs là on peut leur mettre une grosse pression hein, sur l'attaque. Là où vous êtes les trois là sur mon marqueur mouvement, on va placer une 50. J'arrive sur vous les gars, je vais placer un rail aussi. Ah l'enculé. Non, donc moi c'est clair, hein. Sur nous c'est clair. Là,
Briodo, tu peux me donner le lead s'il te plaît, Charlie? Vas-y, j'arrive, ouais. Ouais. C'est quel côté qui est clear? Est? Est, ouais. Faites attention, dans les hauteurs ouest de Canyon, il y a une MG et un TP. Sur la vendeur, il y a une MG à construire à l'ouest. Ah ouais, grosse frappe qui va tomber là. Hein, je vais la louper. Oh, je loupe tout! Attendez-moi! Les gars, la MG à construire là, la MG à construire sur la fusée rouge. Tu veux un rallye? Ouais, si tu peux dans les hauteurs, on peut gagner du temps en attaque, ouais. Ah, ils ont envie de revenir. Hein. Ok. Ça, c'est à nous. Je vais mettre un, je vais même mettre un mortier ici carrément, vas-y. Mortier ici les gars. Sauron. Putain. Sauron, viens, viens construire gros. Tu vas te faire allumer. Alors il est où cet enfoiré, il est vraiment... Allez, quelqu'un a la MG là. Si c'est que la mini, tu construis là, tu prends la MG. Ouais, je lui fais tirer. Vas-y, je les couche là, prenez la MG. Le morceau c'est bon quoi. Carré, après, après vous descendez au sud et vous avancez par le sud en bas de la montagne. Vas-y. Chargeur. Yo. Ok. Ah, alors, ça va le faire ou quoi? Ah, je suis chaud là. Là, on est chaud là. Les gars, on passe en attaque, attaqué par le sud en bas de la montagne. Je crois que je l'ai eu. Ah, c'est toi qui m'as tué. Ok, lui, c'est plus un problème. Comment il écrit déjà? Appuie sur J, tu fais sauver. Lui aussi. Les gars, ça nous contrôle par le sud. Oh putain, le massacre. Ouais, mortier, c'est beau là, t'es pile dessus. T'es sur un pack, 3 packs là. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vais les allumer aussi. Ah, c'est bien. On prend une frappe. On prend une frappe. Ah, j'ai juste pas la dev. Épée, il y en a un, j'ai pas la dev. Merde, c'est un pote. Putain, désolé, j'étais team kill. Ah, ça fait chier. Ok. Ah, je suis à terre. Ben on leur a fait mal hein. La 8 elle a pu progresser un peu. Bah ben, c'est pas mal.
Ça c'est gentil ça. Ça c'est beau ça. Bon je mets un peu de mortier sur la colline parce que j'ai l'impression qu'il y a du pack sur la colline en face. Du point. Mais t'es pas là pour les soins. MG non. Quelqu'un peut me la noter précis la MG ou pas? Ah putain. Ah on a un rallye. Mais là c'est assez beau ce qui se met en place hein parce que... Sur le point, là. Deux qui vont mortier hein, la MG et le reste vous avancez sur le point avec nous là. Ici on est pas mal, moi je vais reprendre la MG, je pense. Ah bah non, il y a déjà quelqu'un, ok. Le mortier, je vais mets progresser. Les points, les gars, pour les mortiers. Je vais essayer de me positionner avec ma MG, la 8 qui part du nord, la 7 et qui installe un truc sud-ouest. Marche, on les encercle vraiment, là c'est bien. Pire, vous allez vite comprendre. Lui il fait de la reco. Allez-y, marqueur mouvement là. Tirez sur le marqueur mouvement. Attention d'être bien précis avec les maîtres hein, parce qu'on arrive sur le point là, donc on va pas qu'on se prenne des frappes quoi. Il va s'écraser. Putain, il pose. Ah ouais. Ah le con. Ouais, waouh, ça shoot 327. C'est. Mais. C'est à nous. C'est à nous. Ah, c'est à nous. Les gars sur nous là. Ah, c'est à nous. Allez, en zone de points. C'est notre abri. Les gars, c'est super, le mortier c'est super en tout cas. Est-ce que le. Ceux qui savent, le mortier c'est efficace contre le char ou pas? Ah, my god, mais c'est à nous, ouais, ça lui fait des dégâts, ouais. Attends, c'est vrai, t'as plus de mortier. Ouais, et continue le mortier sur le marqueur mouvement là. Et. Après. Ah, c'est une bonne question, ça a mortier après, sur le tank. Petit apparemment, à petit, ça fait que des dégâts. Radio plus loin. J'aurais. Par là. J'aurais pas cru, mais en même temps, oui. Ouais, y a du monde devant, Polo, tu peux pour... Et pour rappel, c'est baisser les. Faut baisser les degrés pour. Augmenter la distance. Voilà. T'inquiète, y'a le tuto. Passer la FTL s'il te plaît. Ouais tu l'as. Merci. Y'a un full pack sur Charlie. Ouais Charlie a un traité. J'ai un visuel pas dégueu là. Lui il est safe, y'a notre blindé qui arrive. Putain là c'est propre hein, ce qui se passe. C'est vraiment cool ce qui est en train de se passer là. Faut que j'ouvre un peu plus mon angle. Ah, je peux plus mettre le trépied. Enfin, non, on va se mettre. Ok. Ouais, y'a du mouvement sur Charlie, je viens d'en traiter. Hein. Ok, on va essayer de prendre visuel là-bas alors. Là, je vois pas grand chose, grand chose. Reste de cap. On a plus qu'un chevron là. Et c'est propre, hein. C'est vraiment pas dégueu ce qui se passe là. Ouais. Ouais, il y a trois passes qui viennent de passer sur Charlie. Ouais, il doit avoir une app pas loin. Ok, reçu. Ok, vas-y, mortier sur Charlie, s'il te plaît. Sur marqueur mouvement. Mortier sur marqueur mouvement, gros. Ok, reçu. Moi je vais décaler. Et vas-y, Sauron aussi. Ouais, je suis loin. Il on va passer par là. Mune. Et. Il y a du monde à l'est, mais c'est géré apparemment. Ok, on va prendre position dans les hauteurs, allez, un peu gars, à l'ouest, histoire d'avoir visuel sur. Sur la hab. C'est ça l'objectif là. Ok, il y a une hab spotée apparemment. J'ai actualisé le marqueur. Ouais, bah, puis tout à l'heure je suis en train de les buter là quand ils sortent. Ah, c'est beau ça. Putain, on est une bonne escouade là, je suis. C'est bien. C'est du bon squad. Là, c'est du. Là, on joue à squad là. Là, on joue à squad. N'hésite pas à suppresse Zai si t'as l'angle. Suppresse sur le marqueur mouvement. Ah, il aura pas. Non, j'ai pas l'angle, j'ai pas l'angle. Je peux juste vérifier le dessus des canyons, que ça retombe pas dessus. Sur Charlie. Charlie, on a bien fait traiter. Ok, super. On va pousser vers l'ouest, on pousse vers cette hab et si vous mourrez, vous respawnez par la hab au sud. C'est-à-dire en D5. Allez, on pousse vers l'ouest, les gars. Pour les relever. Et attention, arrêtez les mortiers ou tirez plus loin. Tirez. Ouais, arrêtez. Allez, mets mon trépied. Ah putain, il veut pas. Mortier sur le market si vous pouvez.
J'ai plus de mouvement à l'ouest. J'aime bien jouer. Allez les gars, on avance. La radio a dû être on avance sur la. Attention à votre sud. À votre sud, il y avait une smoke blanche, il y avait des packs ennemis. Hein. Il y a plus de mouvement, mais il y avait du monde. Ok. De l'autre côté de la rivière. Morty marker move. Attends. Tire marker move maintenant. Les deux medics. J'ai vu du mouvement sur votre droite, les deux medics, pas loin. Alors, en tout, Charlie a du Pax. Ouais, Afi. Je suis sur là, presque. Arrêtez les mortiers, les gars. On arrête, on continue. Ah merde. C'est allié ça ou c'est un... Waouh. Briodo, on a un Pax qui se balade au sud du point à défendre. Dans les bâtiments. Sur Canyon. Close de Medic, ouais. J'ai traité encore 3 mecs sur la hab. Y'a une hab les gars, toujours. Bon ok, je progresse. Allez, ceux qui meurent, vous respawnez sur D5. Et vous poussez Market carrément. On s'en bat les couilles de la hab là. Sur Charlie. Thèse. J'ai réussi à lui mettre une balle, il doit être en train de se soigner. Yes, bien joué. Écoute, la 50 ça sert plus à rien là. Allez, eh bien joué. Quel game. Je sais que c'est des vrais games, vous voyez. Tu m'as tué, Mano. Ouais, c'était propre. Hein. Désolé. Moi j'ai kiffé. C'est quoi ta queen? Qu'est-ce qu'il y a? On a sauvé la game. C'est rien, c'est un pire missile. Ouais, GG à tous, surtout à moi. GG à tout. Eh, pas mal le ratio. Alors qu'est-ce qu'on perd la partie?